le bulldog se distingue par son physique trapu et son air grognon. Pourtant, ce chien est très affectueux. Le bulldog est une race de chien qui ne laisse personne indifférent. Son air grognon est légendaire. À tel point que la Fédération cynologique internationale, FCI, qualifie le bulldog de « chien beau dans sa laideur ». Le bulldog est un chien originaire de Grande-Bretagne. Il fait partie du groupe 2, chiens de type pincher et schnauzer, molossoïde et de bouvier suisse. Cette race de chien est le résultat de croisements visant à créer un chien courageux à la morsure puissante. Et pour cause. Cette race de chien était utilisée en Angleterre pour combattre les taureaux jusqu'au milieu du 19e siècle. Bull signifie d'ailleurs taureau en anglais. À la suite de l'interdiction du bull baiting, combat de bulldogs contre des taureaux, en 1837, le physique du bulldog a évolué vers celui que l'on connaît aujourd'hui. Attention, il ne faut pas confondre le bulldog avec le bulldog français. En effet, ce sont des chiens très différents, chacun ayant ses propres particularités et caractéristiques. Aujourd'hui, le bulldog est un chien de compagnie très affectueux, fidèle, doux, calme et tout à fait équilibré. Protecteur et courageux, le bulldog possède aussi toutes les qualités pour être un bon gardien. Ce chien au physique robuste est très sensible. Il supporte mal les réprimandes et recherche constamment l'affection de ses maîtres. D'un naturel protecteur avec les membres de son foyer, il peut se montrer dominant et territorial avec ses congénères et également se montrer méfiant envers les étrangers. Avec son tempérament placide, le bulldog peut vivre en appartement, il s'adapte aisément aux conditions urbaines. Cependant, il ne supporte pas la solitude, il a toujours besoin d'être auprès de sa famille. Le bulldog est un chien de petite taille possédant un physique large et massif. Ce molosse pèse en moyenne de 18 kg à 23 kg et mesure de 30 cm à 37 cm au garrot. Son poil lisse est généralement de couleur fauve, bringée, blanche, uniforme sur tout le corps au niveau du masque qui reste noir ou blanc. Ce chien se caractérise par ses oreilles assez petites et tombantes, sa tête plissée et son museau retroussé qui lui donne un air grognon. Bas sur pattes, avec un corps compact, le bulldog est connu pour avoir une démarche lourde. Pourtant, ce petit chien trapu peut être très rapide. Toutefois, il est peu endurant, il ne faut pas lui imposer de trop longues balades. Le bulldog est une race de chien sensible aux changements de température. De fortes chaleurs peuvent lui provoquer des suffocations ou à l'inverse des tremblements en cas de froid, il faut donc ne pas le laisser trop longtemps dehors. Il est également sujet à des difficultés respiratoires du fait de son museau aplati, mais aussi des problèmes dermatologiques, reproductifs et orthopédiques. Cette race de chien peut vite prendre du poids. Il est important de veiller à son équilibre alimentaire. Adopter un animal vous engage, c'est une décision qu'il vous faudra mûrement réfléchir. N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire ou le refuge le plus proche de chez vous avant de vous lancer. Ils pourront vous apporter leurs conseils sur la race de chien qui vous conviendra le mieux. Thank you.
Malheureusement, la race de chien bulldog anglais a une santé fragile et son espérance de vie est comprise entre 8 et 10 ans. C'est très court pour un chien de cette taille. Elle est même comparable à l'espérance de vie des chiens de taille géante, réputés pour vivre moins longtemps. Le bulldog anglais est touché par des problèmes respiratoires en raison de son museau écrasé. Il est également sensible au froid et à la chaleur. Ce chien est adaptable, et il peut aussi bien vivre en ville qu'à la campagne, et aussi bien en maison qu'en appartement. En réalité, les conditions de vie idéales du bulldog dépendent surtout de la présence de son maître à ses côtés. Ce chien n'est pas fait pour rester seul. Si vous vous absentez souvent, que vous viviez en appartement ou dans une maison avec un jardin, votre petit bulldog anglais sera malheureux. On aurait tendance à croire qu'en raison de sa petite taille et de son bon caractère, l'éducation du bulldog anglais n'est pas difficile. C'est pourtant une erreur d'adopter ce chien en pensant que vous n'aurez aucun mal à l'éduquer. Le bulldog anglais est un chien très sensible, et la moindre remarque de trop pourrait très vite le braquer. Il faut être compréhensif et doux, sans pour autant être trop permissif. C'est donc un jeu d'équilibriste. Si vous craignez de faire des erreurs, n'hésitez pas à vous adresser à un éducateur canin. Son alimentation est d'un bon nombre de propriétaires, désireux de trouver ce qu'il y a de mieux pour l'alimentation de leur compagnon à quatre pattes. Mais il est vrai que de nos jours, il n'est pas toujours évident de trouver les croquettes idéales pour son bulldog anglais. C'est pour cette raison que nous vous avons préparé quelques conseils. Il est préférable de ne pas acheter les croquettes ou les pâtés de votre chien en supermarché ou en grande surface. Les prix y sont plutôt attractifs, mais la qualité des produits ne suit pas, et les ingrédients utilisés ne répondent pas du tout aux besoins nutritionnels du chien. Pour quelques euros de plus, il est possible de trouver une alimentation de meilleure qualité, chez le vétérinaire comme sur Internet. Pour savoir ce que vous donnez à votre bulldog, il est impératif que vous sachiez ce que contient la nourriture de votre chien. Pour ce faire, apprenez à lire les étiquettes des croquettes ou des pâtés. Vous pourrez ainsi écarter plus facilement les produits de mauvaise qualité. Prenez garde aux compositions à rallonge, bourrées d'additifs comme les édulcorants, les conservateurs ou les exhausteurs de goût. Les chiens restent des carnivores, bien qu'ils puissent, à l'occasion, manger quelques fruits ou légumes. C'est pour cette raison que vous devez choisir une alimentation riche en protéines d'origine animale. La nourriture de votre bulldog anglais doit donc contenir au moins 28% de protéines, dont la provenance doit être indiquée en toutes lettres sur le paquet. Choisissez plutôt des protéines issues de viande de très bonne qualité. Les protéines végétales ne sont pas entièrement à bannir, mais elles doivent être soigneusement sélectionnées et ne jamais être majoritaires. Là encore, il ne s'agit pas de diaboliser les glucides. Ils sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais il reste important de choisir une nourriture relativement pauvre en glucides afin de ne pas favoriser l'apparition de surpoids ou de diabète. Le bulldog anglais est une race assez touchée par l'obésité. Faites preuve de prudence. Les compléments alimentaires sont excellents pour booster la santé de votre bulldog en ciblant des problèmes très précis. Attention, ce type de complément est toujours à utiliser sur conseil vétérinaire. L'automédication, également pour les chiens, est dangereuse. Vous pouvez par exemple utiliser de la poudre de moule verte pour soigner les articulations de votre bulldog ou de la levure de bière pour prendre soin de son pelage. Adaptez l'alimentation de votre bulldog anglais à ses besoins. Il est important que l'alimentation de votre compagnon à quatre pattes évolue pour mieux répondre à ses besoins. Ces derniers changent au fur et à mesure que votre animal grandit.
Un petit chiot n'est pas nourri de la même manière qu'un chien adulte ou qu'un chien senior. Consultez votre vétérinaire si vous pensez qu'il est temps de changer la nourriture de votre bulldog anglais et mettez en place une transition alimentaire pour éviter les troubles de la digestion. L'entretien du bulldog est assez facile en raison de son poil très court. Un bon brossage une à deux fois par semaine, en période normale, suffit à le débarrasser de ses poils morts et des impuretés de son pelage. Montrez-vous un peu plus assidu en période de mue, au printemps et à l'automne, et passez à un brossage quasi quotidien. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.